Dans cette vidéo, nous entamons la deuxième nouvelle série de l'année, La Belle Époque, dans laquelle nous allons traiter d'expériences, de pratiques et autres concepts du passé où l'éthique n'était qu'une vague idée progressiste qui ne ferait que freiner le progrès si on l'écoutait. Au programme de cette série, des protocoles expérimentaux horrifiants, des pratiques médicales douteuses et des enseignements qui semblent aujourd'hui aberrants. Et aujourd'hui, nous commençons par la pratique du Dämmerschlaf, le sommeil crépusculaire. Le sommeil crépusculaire, qu'est-ce que c'est? Reprenons depuis le début. Vous le savez peut-être, mais depuis toujours, l'accouchement est frais. Il n'est pas rare de lire des histoires d'horreur sur des accouchements traumatiques. Dans les familles, il y a parfois un tabou sur le sujet et on ne veut pas effrayer les jeunes femmes au risque qu'elles ne veulent pas faire d'enfants. Bien que l'accouchement n'ait pas toujours été médicalisé, il est parfois nécessaire de se rendre à l'hôpital, mais il s'agit aussi parfois d'un choix pour se rassurer. L'hôpital offre des options que vous n'avez pas chez vous, notamment la plus recherchée, la péridurale. La douleur, présentée comme souvent insurmontable lors d'un accouchement, pousse les femmes à chercher des solutions pour y échapper. Et c'est exactement à ce problème que répond le sommeil crépusculaire. Nos aïeuls du début du XXe siècle ont pu, grâce à Bernhard Krönig et Karl Gauss, bénéficier d'un accouchement sans douleur. Une révolution pour l'époque. Reprenons les travaux d'un confrère, Richard von Steinbüchel, sur la scopolamine et la morphine. Ces deux médecins popularisent la technique du sommeil crépusculaire en continuant les recherches. Le principe est assez simple. Utilisez un cocktail de scopolamine et de morphine afin de plonger l'impatiente dans un état lui permettant de ne pas ressentir de douleur sans pour autant être inconsciente. En 1906, ils présentent leurs résultats devant la Conférence nationale d'obstétrique de Berlin. Ils expliquent alors constater que la scopolamine aide à réduire les complications durant l'accouchement et aide à une récupération plus rapide des femmes. Leurs confrères sont alors surpris, mais cela ne suffit pas à freiner l'engouement des femmes qui voient en cette méthode la chance de pouvoir vivre une expérience fantastique de l'accouchement sans la douleur. C'est en 1907 que Gauss généralise la procédure à toutes ses patientes. Mais malgré ce que je vous ai dit, ça ne vous explique pas comment ça marche, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce que ça marchait au juste? Une fois le travail et les douleurs des premières contractions présentes, le médecin injectait un mélange de morphine et de scopolamine à la patiente. La morphine, vous connaissez sûrement, c'est un antidouleur très puissant. J'en ai moi-même fait l'expérience après une opération et j'avoue que je ne sentais plus rien. Mais la scopolamine alors? C'est un parasympatholytique de type atropinique qui agit comme un antagoniste compétitif de l'acétylcholine et d'autres agonistes muscariniques. Oui, mais encore. Cette molécule est connue notamment pour ses effets amnésiants et hallucinatoires. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Une fois que la patiente avait donc reçu cette première injection de cocktail dont la dose dépendait des patientes, le travail pouvait durer des périodes très variables, ce qui nécessitait un ajustement de la médication. Mais pourquoi donner un antidouleur à quelqu'un qui ne se souviendra pas de ce qui s'est passé de toute façon? Alors oui, les injections suivantes ne contenaient que de la scopolamine. Vous trouvez alors que les salles d'accouchement actuelles sont impersonnelles, les lits inconfortables? Eh bien, regardez les mécanismes utilisés pour ces accouchements. Car oui, les femmes souffrant, dans un état second, se débattaient. Elles étaient alors placées dans une salle sombre, avec les yeux couverts, les oreilles bouchées et fermement attachées au lit pour limiter le risque de blessures auto-infligées. Vous vous demanderez peut-être que faisaient les maris, et je vous rappellerai qu'à cette époque, ils n'assistaient pas aux accouchements. Et ces femmes n'avaient que du bien à dire par la suite, puisqu'elles ne se souvenaient de rien. Alors, la pratique s'est étendue à différents pays, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, où la reine Elisabeth elle-même y a eu recours. La pratique, toujours popularisée par l'engouement du public, mais faisant face aux réticences des médecins. Seulement,
la vérité a assez vite rattrapé la pratique. La scopolamine et la morphine ont un fort potentiel de dangerosité, notamment s'ils sont mal dosés. Et ce n'est pas si simple de trouver le bon dosage. La demande forte des patientes dépassait la capacité des médecins, qui étaient peu à accepter de réaliser la procédure. Les médecins ont alors commencé à déléguer la tâche à leur personnel, notamment aux infirmières, qui n'étaient pas entraînées, ce qui a mené à de nombreuses erreurs de dosage. La mort d'une « activiste » entre guillemets pour le sommeil crépusculaire pendant son accouchement en 1915 a contribué à faire diminuer la popularité de la pratique. En dehors des risques de surdose, les femmes soumises à ce cocktail présentaient un pouls ralenti et une respiration également ralentie, mais surtout des déliriums. Un autre problème était l'allongement de la durée du travail, ce qui est toujours un problème aujourd'hui, cela dit. Cela a mené donc la mère et le fœtus à être exposés sur une plus longue période aux médicaments, augmentant ainsi le risque d'asphyxie du fœtus et donc le risque de mort. Les médecins avaient donc plus souvent tendance à utiliser des forceps pour faire sortir le fœtus plus vite, ce qui causait une augmentation des blessures sur la mère. Bien que cette pratique soit tombée dans l'oubli, la question du soulagement de la douleur est restée un enjeu crucial en obstétrique. Mais cela a également participé à généraliser le recours au milieu hospitalier pour les accouchements. Aujourd'hui, il est inconcevable pour la majorité des personnes d'accoucher sans péridurale, encore moins à la maison ou dans une maison de naissance. Cependant, on peut garder un œil critique sur cette omniprésence de la médicalisation des naissances. Bien qu'il soit rassurant d'être en milieu hospitalier en cas de problème, certaines équipes médicales généralisent des pratiques, parfois à l'encontre du bon sens et du consentement de leurs patientes, voire même en les menaçant. Par exemple, les épisiotomies de routine, les césariennes et les déclenchements sans fondement médicaux, les fameux points du mari qui sont désormais illégaux mais encore pratiqués par certains médecins. Comme dans beaucoup de domaines, il est pour moi essentiel d'être renseigné sur notre corps et ses fonctionnalités. Il ne s'agit pas de douter de tout, mais d'aller lire des sources fiables et d'en discuter avec votre médecin. Nous avons la chance de vivre à une époque où nous avons des choix. Et vous pouvez évidemment choisir une péridurale et une césarienne, mais vous pouvez aussi choisir d'utiliser l'hypnose, le gaz hilarant, les salles nature, la méthode Bonaparte. Évidemment, vous ne pourrez pas choisir le sommeil crépusculaire. Plein de choses s'offrent à vous aujourd'hui, et heureusement, vous ne risquez plus de subir le sort de ces femmes droguées à ne plus se souvenir de rien et se débattant de toutes leurs forces aux mauvais traitements qu'elles subissaient. Si vous avez des suggestions de sujets de vidéos, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Pour m'envoyer des photos de vos collections pour mes vidéos, rejoignez-nous sur Discord, le lien est en description. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Bye !